Shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous, que la main puissante du Seigneur Jésus soit sur chacun d'entre vous. 2023 se termine déjà et 2024 pointe déjà à l'horizon. Et en 2024, je sais qu'en ce moment même, le dénombrement sera fait et je sais que nous n'avons perdu personne, que tous les enfants de la moisson divine répondront présents, qu'aucun de leurs membres n'a été retranché, que tous sont présents, car la main du Seigneur, alors que nous sommes montés à la montagne de l'Éternel, nous a gardés et nous a préservés. Et là, nous amorçons notre entrée en 2024. 2024, c'est l'année de l'ascension, c'est l'année de la montée, c'est l'année de la percée, l'année de l'épanouissement, c'est l'année de la grandeur, c'est l'année de sortir de l'anonymat, c'est l'année de la renommée, c'est l'année où nous allons revêtir la renommée à cause de la percée, à cause de la montée. 2024, le Seigneur dit, mon serviteur s'élèvera, il prospérera, il s'élèvera bien haut. Je souhaite et je déclare sur chaque enfant la moisson divine, que non seulement tu t'élèves partout où tu te trouves, mais que tu t'élèves bien haut. Que tu puisses accéder aux fonctions les plus élevées, que tu puisses accéder aux services les plus hauts, que tu puisses accéder aux opportunités les plus intelligentes, les plus rentables, aux opportunités les plus bénéfiques, que tu puisses accéder aux choses les meilleures. Je déclare que 2024 soit ton année, l'année de l'ascension, l'année de ta montée, l'année de ta percée, où tu perces dans tous les domaines de ta vie, tu perces dans les domaines particuliers qui est à toi. Que cette année, on reconnaisse la grâce qui est en toi. Que cette année, que la grâce qui est en toi puisse éclore, puisse s'épanouir. Que cette année, toutes les potentialités que le Seigneur a déposées en toi puisse à jamais se faire remarquer, car c'est l'année de l'ascension. Que cette année, tu ne connaisses ni stagnation, tu ne connaisses ni régression, mais que cette année, tu puisses bouger. Je déclare sur quelqu'un que cette année, tu vas bouger. Cette année, tu vas t'étendre. Cette année, tu vas t'élargir. Cette année, tu vas prospérer. Cette année, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Et personne n'empêchera à ta montée. Car c'est l'année de l'ascension. Personne ne pourra te bloquer. Le Seigneur Jésus à la croix a tout accompli. Le Seigneur a donné à la place un bélier afin que tu ne sois ni l'offrande, ni l'offrande pour la famille, mais que tu sois celui qui récolte les fruits de ce qu'il a accompli à la croix. Cette année, je déclare qu'un bélier a été donné. Et je déclare que cette année, partout où tu passeras, le Seigneur prendra soin, non seulement de prendre le bélier, mais aussi de l'attacher dans les buissons, afin que toi, tu puisses simplement le récupérer. Cette année, je déclare que partout où tu passes, tu récupères ce qui est à toi. Partout où tu iras, que tu récupères tout ce qui est à toi. Partout où tu iras, que rien de ce qui est à toi ne puisse s'éloigner de toi. Que la main de l'Éternel, la main du Dieu Tout-Puissant soit sur toi. Que tu récupères tout ce qui est à toi. C'est l'année de la montée, l'année de la percée. Prospère, monte encore davantage. Accède aux fonctions de dignité, accède aux fonctions honorables, accède à toutes aux opportunités les plus envieuses, les plus grandes, et accède à tout ce qui est grand, à tout ce qui constitue la joie de ton cœur. Tel est mon souhait, tel est le souhait de notre Seigneur pour cette année, pour nous les enfants de la moisson divine. Que l'ascension soit notre partage. Montez, montez, montez. Ne stagnez plus. Ne restez plus sur place. Ne faites plus du sur place, mais montez. Montez encore davantage. Montez encore. Prospérez davantage. Prospérez à tous égards. Prospérez dans toutes choses. Tout ce que vous faites, allez de l'avant. Allez au-delà des limites. Les limites de 2023 resteront en 2023. Les mauvais souvenirs de 2023 resteront en 2023. Nous entrons en 2024 et c'est une très très bonne année. Une année de l'ascension, une année de la montée, une année de la grandeur, une année de la prospérité, une année de l'élargissement, une année de l'épanouissement. Élargissez-vous à tous égards. Touchez à tout. Faites tout ce que vous pouvez faire afin que le Seigneur vous accompagne et que vous réussissez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la main du Tout-Puissant soit sur vous. Que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous allez faire.
Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Très bonne année à vous. Très bonne année à chacun de vous. Je vous embrasse et je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.